Ah, le pays, c'est le ballon, les champions, tous les zigueurs du monde entier. Ouais, je sais que hier, la Saint-Valentin n'a pas été facile pour tout le monde, ne s'est pas gâté. Laissez-moi prendre une petite bouchée. Et puis, je vais venir vous dire quelques petits trucs qui vous seront utiles pour l'année prochaine, pour le 14 février prochain. Donc, attendez, hein. Excusez-moi. Revenons à vos moutons, parce que moi je sais mes moutons sont dans quelle ferme, c'est vous êtes perdus. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, je vous parle de la Saint-Valentin sur un très très bon plat. Je vous explique pourquoi. Je vous parle de la Saint-Valentin sur du foutou. Je vous parle de la Saint-Valentin sur une sauce jumblée avec un peu de graines. On appelle ça escargot photocopie. On appelle ça crabe. On appelle ça pâte de bœuf. On appelle ça de la viande. On appelle ça polo. Donc on appelle ça une sauce forêtale. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire forêtale, ça veut dire une sauce avec beaucoup d'animaux à l'intérieur. Donc on appelle ça une sauce zootale. C'est une sauce comme un zoo. Dans le zoo, il y a plusieurs animaux. Donc c'est une sauce zootale forêtale. Et ça, c'est de la banane qui est tout droit sur un cocotier. Qui comprendra pourra. Donc voilà. Si je fais ça devant un plat de nourriture, je vous explique. C'est pour vous dire que la nourriture ne vous trompera jamais. La nourriture n'ira pas voir ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui guidez la nourriture. Si vous dites à la nourriture, la voilà ici, vous dites, ne partez pas dans la bouche de celui-là. Viens m'embrasser. Elle viendra t'embrasser. Faut me salir, elle va te salir. Donc, arrêtez de vous compliquer la vie. Manger, parce que c'est le seul truc qui est fidèle. Tu n'as qu'à juste commander, ça va venir. Ou bien tu n'as qu'à juste préparer, ça va sortir. J'ai fini de vous parler. À bisous.